Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag, votre petite friandise moto, culture, histoire du vendredi soir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis à la fois en présence de Johan qui, une nouvelle fois, bonjour. Salut Johan, nous fait le bonheur et le plaisir de nous inviter à découvrir et essayer ces motos. Et surtout devant vous, c'est une Aprilia RSV1000R. Attention, c'est une R de 2000. Et ça, bah dites-vous que c'était simplement une des superbikes les plus excitantes de l'année 2000 quand on était fan de motos sportives. En plus d'avoir une gueule qui est juste incroyable. Moi, j'adore personnellement cette moto. En 2000, tu avais 10 ans. C'est ça, ouais. À 10 ans, on rêve pas d'une RSV1000R. Non, mais vu que... Ou alors t'es précoce. Bah, bizarrement, vu que mes parents sont motards, j'ai beaucoup eu de magazines moto. Mm-hmm. Et cette moto me fait rêver depuis tout petit par son look, les pièces en carbone, la fourche dorée aux Linz, comparé aux VTR SP1 qui sont magnifiques aussi, mais qui font moins bling-bling. Il n'y a pas le carbone et la fourche dorée. Ouais. Donc cette moto me fait vraiment rêver depuis tout petit. Une Ducati, ça te plaisait pas? Un 998-19 de Superbike. Si, aussi, c'est vrai que m'ont fait rêver, mais là, le prix... Le prix est plus élevé. Ouais, le prix est plus élevé. Donc là, tu as à la fois le pédigré et l'accessibilité, les performances. Le look, pour un prix moins élevé que les Ducati. D'accord. Alors, comme d'habitude, un petit flashback, retour en arrière. On a en stock une émission sur une de tes Aprilia RS 125. Et en fait, Aprilia décide de passer à la vitesse supérieure, à la grosse sportive 4 temps, à la fin des années 90, pour deux raisons. D'abord, parce que leur engagement en Grand Prix 125 et 250 s'est concrétisé avec des titres mondiaux. Oui. Max Biaggi, 3 titres consécutifs. Valentino Rossi remporte le titre 125 sur une Aprilia en 97. La légende est là. Et du coup, Aprilia a une aura absolument incroyable dans ces années-là. Ils se disent, voilà, ben, puisqu'on est sur une pente ascendante et ascendante comme ça, on continue, on passe la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est le Superbike. On les verra aussi en MotoGP avec l'improbable RS Cube qui prenait son temps à prendre feu et envoyer les pilotes dans le décor, mais quand même, ils ont fait ça. Mais donc, ils voulaient défier Ducati en Superbike. Ils voulaient défier Ducati en Superbike. Pourquoi? Parce que le règlement Superbike des années 90 favorise globalement les gros bicylindres. Il y a une équivalence 1000 bicylindres, 750 4 cylindres. Il y a deux 750 qui remporteront les titres dans les années 90, la ZXR, la RC45. Mais tout le reste, c'est pour les gros bicylindres. Suzuki s'y met avec les TL1000R, Honda arrive avec les VTR SP, et Aprilia fait la RSV1000 en 98, la présente en 98, avec ce moteur qui vient de chez Rotax. C'est un gros bicylindre en V tout moderne à 60 degrés, et qui, dans la version civile, celle-ci en version libre, sortira 128 chevaux, plus de 10 mètres kg de couple, et elle fait 189 kg. En termes de spec, c'est franchement pas déshonorant. Pour les années 2000. C'est très très bien, pour les années 2000. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour la petite histoire, c'est la première moto avec deux séries, deux fenêtres digitales ou tableau de bord. Avec un chronomètre aussi. Avec un chronomètre. Qui s'actionne avec le plein phare. Ça, de mémoire, on l'a peut-être aussi sur la RS250, je crois. C'est la première moto avec un shift light de série et embrayage anti-grip. Quand on a toutes les spécifications, elle apporte des choses sur le marché que la concurrence n'a pas. Et puis finalement, malgré son look de grosse brute épaisse, les trois phares à l'avant, les deux petits phares à l'arrière, le carénage qui protège assez bien, c'est quand même une bonne routière. Enfin, routière sportive, mais tu peux rouler avec ça. Pour la protection, parce qu'après, la position est vraiment extrême, vraiment très sportive. Et à casque et poignée, Mais c'est quand même plus convivial qu'une Ducati Superbike de l'époque rouler. J'imagine. C'est quand même plus fréquentable qu'une VTR SP1. Au niveau ergonomie, la VTR est très courte, t'as pas de protection, t'es très comme ça. Et c'est une moto qui est assez polyvalente. La version R, celle-ci, elle se distingue par quoi? Qu'est-ce qui t'a fait craquer sur cette version? Du coup, comparé à la version d'origine, qui est au moins 2500, presque 3000 euros moins cher, qui était 3000 euros moins cher à sa sortie, c'est les suspensions Linz. Les jantes aux aides forgées et toutes les pièces en carbone. Il y en a partout, regardez-moi ça, c'est magnifique, il y a des tartines complètes de carbone. Garde-boue, la protection du compteur. Et ce sont les principales différences, qui sont déjà énormes. Alors, ce moteur, on l'a retrouvé dans d'autres versions de la gamme Aprilia. Il y avait 5 modèles, il y avait la Tuono, la Caponor, la Futura. La Falco. Et la Falco. Donc, il y a eu vraiment plein de versions différentes. C'est tout dégonflé, c'était la RSV. Voilà, c'est dans cette version qu'elle est la plus puissante et la plus expressive. Tu l'as depuis combien de temps, cette moto, toi? Celle-là, je l'ai depuis 2 ans. T'as pas mal roulé avec? J'ai fait quelques cols dans les Pyrénées, sur la Côte d'Azur. C'est très efficace. Ouais. Très efficace. Le fait d'avoir du couple, parce que j'ai eu beaucoup de 4 cylindres. Mm-hmm. C'est mon premier vrai gros bicylindre. Et en fait, c'est génial sur la route, parce que ça tracte dès les bas régimes. Ouais. On n'a pas besoin de monter dans les tours, et c'est vraiment très agréable. Toi, tu as roulé en S1000RR. S1000RR. Tu préfères ça? T'as vendu le S1000 et tu préfères ça, en fait? Vraiment pour la route, Pour la route, parce que ça tracte dès les bas régimes.
Et je vois pas, un 600 en 4 cylindres n'aurait pas, pas d'intérêt sur route parce qu'il faut tout le temps le faire hurler. Ouais. Est-ce que tu as roulé sur la version standard de ça? Non, pour mesurer la différence d'agrément de la version R? Non, jamais. Donc je peux pas dire si les suspensions apportent vraiment quelque chose. Ouais. En général, sur route, même si tu as du feeling, tu as de la précision. La précision, c'est toujours bien. Tu vois? Mais voilà. Mais c'est pour le look, vraiment le look. Toutes les pièces en carbone, flash au soleil, la moto est magnifique. Au niveau petit tracas, soucis, entretien, tout ça, ça fonctionne comment une RS2000? Ça serait quoi le conseil que tu donnerais à celui qui en veut une? Toujours pareil, d'avoir le plus d'entretien possible. Et la faiblesse sur cette moto, c'était le démarreur. Oui. Parce que pour faire tourner les deux gros pistons, le démarreur, il a du mal en fait. Donc c'est démarreur et batterie qui lâchent parce que... En fait, il faut des batteries tout le temps super bien chargées. Oui, des batteries chargées à fond. Ouais. Dès que les batteries sont pas chargées, c'est ça qui bousille le démarreur. Ouais. Donc c'est vraiment le principal problème de cette moto. D'accord. Parce que la base moteur est solide, on connaît des V2 62 avec 90 000, 100 000 bornes. Ouais. Ouais, non, le Rotax est solide, c'est vraiment que le démarreur et batterie qui a du mal et le reste, j'ai aucun souci avec. La question qui fait mal, ça coûte combien une belle RS-V1000 R? Attention, la R. R, alors c'est pour ça que je disais que c'est moins cher que les Ducat, c'est encore abordable, c'est dans les 5000. Sérieux? 5000, ouais. À 5000, tu as une moto avec un pedigree comme ça. Pour ces années-là, on a acheté tout de suite. Même les 2000, même les 2002, 2003, 2004, 5000, 6000, pas plus. Donc c'est vraiment une très très bonne affaire pour ce que ça donne. Quoi. Ouais. Pour l'équipement et ce que ça en donne, c'est vraiment pas cher quand on voit le prix des japonaises. Youngtimer année 2000 qui s'envole. Une VTR SP, c'est le double. Oui, les VTR, c'est 8000. Les Suzuki, il n'y en a plus, elles sont toutes dans des fossés, tu vois. Mais les Miller, Mais les Honda, mais même un 929 CBR, un R1, vaut plus cher que ça, alors qu'il n'y avait même pas de durite aviation d'origine, que c'est des fourches d'entrée de gamme. Alors, c'est pas cher parce qu'en fait, si tu veux, Aprilia n'a pas... autant Aprilia a réussi le challenge du GP 125 et 250, ils ne l'ont pas réussi avec ça parce qu'ils n'ont pas été champions du monde de Superbike. Ils l'ont été en 2010 avec Max Biaggi sur la RSV4. Néanmoins, pour donner une idée du potentiel de cette moto, première année de compétition avec le full team officiel Troy Curser, remporte 5 victoires et fait 4 super pôles. Ça donne quand même une idée du niveau quand tu débarques dans une compétition. Et l'année d'après, ils font 3 victoires, 2 Troy Curser, 1 de Laconi, 8 podiums et je crois 3-4 super pôles. Donc c'est quand même une moto qui était super bien née. Voilà, dès sa sortie. Qui méritait peut-être un poil plus de développement ou d'expérience dans le team. Mais voilà, c'était quand même une moto savait qui faire était des bien châssis. Hein. On voit qu'il ressemble beaucoup à celui des 2,5 RS ou 55. Ouais. Le gros cadre en alu, le brossier en banane, ils savent faire des châssis, la moto, on le voit, on le sent à la conduire. En tout cas, moi j'ai roulé avec ça, merci encore de m'avoir prêté, confiance ou inconscience, allez savoir. C'est vrai que malgré son âge, il a plus de 20 ans, tu as quand même un sentiment de connexion avec la route, une partie cycle hyper précise, et puis ce gros bicylindre qui tracte. Et puis voilà, c'est un plaisir, je comprends pourquoi la marque a cet ADN assez spécifique sur la moto sportive. On roule régulièrement, nous, avec des RSV4. Et c'est vrai que tu as un plaisir qui est toujours un petit peu différent de celui des autres marques. Et ils l'ont construit avec ça. Merci, Johan, d'avoir partagé avec nous cette moto sublime, rare et sensationnelle. On espère, là encore, que la cote sur le bon coin ne va pas tripler à cause de l'enthousiasme et des explications que tu nous donnes. Prudence, bisous sur le casque. On se retrouve bientôt dans une autre émission sur Motomag. Merci Johan encore, c'était trop sympa de nous avoir conviés à découvrir cette moto.